Bien, monsieur Paul Marion, je vous remercie de répondre à mes questions pour les archives départementales du Calvados. Alors, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter et puis donc de raconter depuis donc, votre naissance jusqu'à la guerre, vous situer, présenter votre milieu familial, etc. Et puis ensuite de faire le récit de ce qui vous est arrivé pendant la guerre, pendant l'occupation, et notamment donc, de parler du réseau de résistance Zéro France, auquel votre frère a appartenu. Et nous parlerons aussi du massacre de la prison de Caen, qui a eu lieu le 6 juin 1944, et sur lequel vous avez fait des recherches tout à fait importantes pour l'histoire de notre département. Allez-y. Alors, mon nom, c'est Paul Marion, né le 24 novembre 1919 à Varaville, section Le Haume, qui est un petit pays tout près de Cabourg, 3 km. Et j'ai évidemment grandi à l'école primaire de Varaville, et ensuite je suis allé faire des études à Caen. Au moment de la guerre, je n'avais pas encore 20 ans. Dès la déclaration de guerre, je me suis engagé, puisque le 9 octobre 1939, j'étais à la base aérienne 101 de Toulouse. De cette base, j'ai été transféré sur une école de mécaniciens dépendante de l'école de Rochefort, qui était basée à Royan à ce moment-là. Et j'ai passé mon brevet supérieur de mécanicien avion. Je suis resté après ce temps-là, comme toute l'école d'ailleurs, nous sommes restés en attente d'une affectation dans une base. Nous avons un beau jour évacué devant l'avance allemande, puisque les Allemands approchaient de Bordeaux à l'époque. Nous avons pris un train à bestiaux, vous savez, wagon à bestiaux, 8 chevaux en long et 40 hommes. Et arrivé du côté, nous étions prévus pour partir en Afrique du Nord. C'est au moins le bruit qui courait, que beaucoup s'imaginaient peut-être. Et arrivé à Rivesaltes, nous devions embarquer à Port-Vendres, le train fut stoppé. Et c'est là que nous avons appris que le maréchal Pétain venait de prendre le pouvoir et de demander des conditions d'armistice à l'Allemagne. Évidemment, notre voyage s'est terminé dans les Pyrénées-Orientales. Nous avons fait encore quelques kilomètres, nous sommes restés à Port-Vendres. Pas à Port-Vendres, à Argelès-sur-Mer d'abord, ensuite transféré à Arles-sur-Tech, serré, enfin nous sommes restés 3 mois à rien faire littéralement, à aérer un petit peu dans ces pays-là. Je parle que c'était l'ensemble de notre école. Nous avons après été transférés à la base Carita d'Orange, qui était désaffecté, qui venait d'être désaffecté. Nous avons retrouvé là, évidemment, beaucoup de militaires d'aviation qui avaient refloué devant les Allemands et puis qui s'étaient arrêtés à Orange. Et pour nous, en ce qui concerne l'école, les personnes qui habitaient la zone libre, puisque les Allemands avaient déjà tracé la ligne de démarcation, les Allemands qui habitaient la zone libre pouvaient se faire démobiliser. Mais ceux qui, comme moi, étaient de la zone occupée, il n'y en était pas question. Nous devions poursuivre. Nous avons été ensuite peut-être 3 semaines à Orange, et nous sommes partis à Grenoble. À Grenoble, nous avons été affectés à une organisation de jeunesse qui s'appelait Jeunesse et Montagne, qui était une émanation, Georges Chantier de Jeunesse, émanation de l'armée de l'air, et aussitôt envoyé en montagne, c'est-à-dire que 3 jours après, nous étions à 1200-1300 mètres d'altitude, il n'y avait pas de neige encore à l'époque, parce que ça se passait en septembre 40,
Et nous étions logés dans des maisons qui avaient été réquisitionnées par l'armée de l'air, ou par le mouvement plus exactement, je ne sais montagne. On nous a retiré tout ce qui était boutons d'uniforme, galons, nous n'avions plus rien. On nous a donné du fil et des boutons civils à coudre sur nos vareuses. Et on nous avait aussi habillés avec des tenues qui venaient de l'expédition de Narvik en 1939, l'expédition de Narvik 1939, qui étaient des blousons, mais qui étaient des blousons comme des blousons civils. Toute cette tenue avait l'aspect civil. Ou alors ils avaient été peut-être déjà transformés, enfin on ne sait pas. Et nous avions pour mission de ne pas trop nous montrer. C'était un petit peu les ordres qui nous avaient été donnés. Il n'y avait plus d'appellation par les grades, ça n'existait plus. Nous appelions tout le monde chef. Tous ceux qui avaient eu un grade s'appelaient des chefs. Ils avaient un petit signe distinctif. Un ruban quelconque sur la vareuse qui faisait reconnaître. Et nous sommes restés assez longtemps. J'étais transféré dans un petit village en dessous de la station des sports d'hiver de la Morte. C'était un tout petit village. Nous étions par petits groupes de 20, répartis dans tous ces villages. Sauf à la Morte où il y avait un siège qui c'était le siège de l'ensemble de GS Montagne qui était un peu plus important et qui logeait dans un hôtel réquisitionné. Il se trouvait que les moniteurs de l'école nationale française de ski étaient en chômage parce qu'il n'y avait plus de sport d'hiver à cette époque-là. Et ils ont été engagés par Jeunesse et Montagne pour nous encadrer. Si bien que avant qu'il y ait la neige, ces gens-là nous emmenaient des promenades en montagne, on crapahutait un peu, et au moment de la neige, ils sont devenus nos instructeurs de ski. La plupart d'entre nous n'avions jamais chaussé de ski de notre vie, et ça a été une aubaine, et je reconnais que c'était une période pour nous vraiment sensationnelle. Et entre-temps, nous avions reçu la visite du Général Laure, qui était un général, je crois, 2 étoiles, je crois me souvenir, et qui faisait une tournée des popotes. Il était le chef de cabinet du maréchal Pétain. Il a donc déjeuné avec nous, à notre table, et nous a raconté que, entre autres, nous étions restés sous les armes, si on veut, mais qu'il fallait quand même pas se faire voir de trop, parce que nous n'étions pas incorporés à l'armée d'armistice. Il fallait donc, encore, en attendant que nous devenions vraiment jeunesse, un mouvement de jeunesse comme les autres mouvements, il fallait donc pas trop se faire voir. Que nous étions là, tout simplement parce que nous étions des spécialistes d'aviation, tous, pilotes, radio, mécaniciens, nous étions tous des gens qui venaient de l'école de Rochefort. Nous étions là en attendant qu'on reprenne les armes, que d'ici 6 mois, le maréchal Pétain pensait à reprendre les armes. Je me suis toujours demandé par la suite. On n'a jamais obtenu la précision. On n'avait pas obtenu de précision à l'époque, mais ça nous paraissait tellement sous-entendu que ça ne pouvait être que contre les Allemands. Mais quand on sait ce qu'a fait le maréchal Pétain par la suite, je me suis toujours posé la question de savoir si c'était bien contre les Allemands ou avec eux. Je suis donc resté un an environ, hein, au mois de juin 1941, j'avais été transféré avec toute mon équipe à Saint-Étienne-en-Dévoluy pour effectuer fabriquer un camp de jeunesse nouveau. Nous fabriquions une extension, c'est-à-dire en premier temps, on logeait sous des tentes, on faisait des soubassements en béton pour que les tentes ne trempent pas dans la terre. Enfin bref, on faisait des choses assez confortables. Et pour recruter alors des gens qui arrivaient directement du civil, c'est-à-dire les classes 39, 40, qui n'avaient pas été mobilisées en 40. Moi, j'appartenais à la classe 39, mais comme je me suis engagé pour la durée de la guerre à l'époque,
J'étais donc sous les drapeaux un an presque avant mes camarades. Nous sommes restés à Saint-Yen-de-Vouluy environ 3 mois. Et au mois de juin, quand nous avons appris que les nouvelles recrues allaient venir, on a dit maintenant il n'y a plus de problème, on doit pouvoir se faire démobiliser. C'est ce qui s'est passé, j'ai été démobilisé et je suis rentré chez ma mère au Home Varaville. Alors ça se situe quand ça, la démobilisation ? Alors la démobilisation se situe le 30 août. 30 août 1941. 41. Voilà. J'ai un document d'ailleurs, je peux vous faire voir à ce sujet-là. Quand je suis arrivé à Varaville, au Home Varaville, ma mère tenait un commerce, un restaurant, épicerie, bar. Et j'ai travaillé avec elle pour l'aider. Elle était toute seule. Oui, votre père était... Mon père décédé. Était décédé depuis le mois de février 1940, pendant que j'étais encore dans l'école d'armée de l'air. Quand, un beau jour, les Allemands ont décrété une zone interdite côtière qui longeait la mer, entre la mer et la route côtière, entre Cabourg et au moins Bénouville. Donc il y a eu cette zone interdite de déclarer et il a fallu déménager. J'ai aidé ma mère à déménager, mais il a fallu fermer le commerce, bien entendu. Nous étions dans une maison réquisitionnée par la mairie de Varaville pour nous reloger dans le home. Et évidemment, moi, il fallait bien que je travaille. Alors, je me suis engagé dans une entreprise qui travaillait à Merville, à la fabrication des blocos, qui est sous les ordres de l'organisation Todd, et la construction des blocos pour cette fameuse batterie de Merville qui faisait partie de la ligne Rommel. Les canons, il y avait déjà cette batterie qui était installée derrière des mamelons en terre, couverte avec des filets, pour ne pas se faire se repérer, et nous construisions les blocos entre les batteries. Quel était le nom de l'entreprise qui, pour le compte de la Taute, faisait ces... Alors là, cette entreprise s'appelait Sarap-Tébris. C'est une grosse entreprise qui a eu des problèmes à la Libération d'ailleurs, problèmes économiques à la Libération. Et je suis donc rentré dans cette entreprise et j'ai eu la chance d'y rencontrer un chef de chantier qui connaissait bien mon père, qui avait bien connu mon père plutôt, et qui m'a dit « mais je vais te trouver un petit travail ». Et en effet, il m'avait mis comme... j'étais employé comme magasinier, c'est-à-dire que je distribuais les outils le matin aux travailleurs, je les rentrais le soir, c'était pas bien compliqué. Mais enfin, ça, c'était tout à fait passager pour moi. J'avais toujours dans la tête un jour de faire quelque chose, mais de ne pas rester là. J'avais même un moment envisagé de partir en Espagne. Un beau jour, quand les Allemands ont eu créé le service du travail obligatoire, le 13 février 1943, j'ai failli être requis pour l'Allemagne, mais ça s'était arrangé. Mes chefs de Sarap-Tébris avaient fait le nécessaire pour me conserver, mais ça n'a été que de très courte durée, puisque... Vous aviez reçu votre carte du travail. Pour le STO, vous avez reçu une carte, une convocation. Ah oui, bien sûr. Et bien cette convocation, vous l'avez reçue quand ? Non, j'ai dû la recevoir vers le mois de mars, quelque chose comme ça. Oui, oui. Mais, non, pas pour la première fois, j'ai reçu après, pour la seconde fois. Pour la première fois, l'entreprise avait bien arrangé les choses, je n'ai pas été inquiété. Mais la seconde fois, ce n'était pas mars, c'était avril qu'on a reçu. Avril 43. Et à ce moment-là, l'entreprise m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Si tu veux partir, tu passes ce soir au bureau, ton compte sera prêt, etc. C'est ce que j'ai fait, il n'y a pas eu de problème. Je suis resté 3 ou 4 jours chez moi, sans me montrer de tôt, et en attendant que ma mère reprenne contact avec des amis qui avaient de la famille dans la Creuse, qui étaient fermiers dans la Creuse.
Elle avait trois, la dame de ses amis avait trois frères qui étaient associés dans une ferme, dans la métairie d'une ferme. Et évidemment, ça a duré 3 ou 4 jours pour que la liaison soit établie entre eux et que je puisse partir. Je suis donc parti immédiatement dans la Creuse. Il n'y avait plus de ligne de démarcation puisque depuis le mois de novembre 1940, la ligne avait été... Là, la France avait été occupée entièrement. Et arrivé dans la Creuse, je me suis mis aux travaux de la ferme. J'ai eu affaire à des gens très sympathiques. Alors, elle se situait où, cette ferme ? Alors, elle se situait à l'est de la Souterraine, à environ 15 de kilomètres à l'est de la Souterraine, dans un petit lieu-dit qui s'appelait Mazégou. Et j'ai donc pendant trois mois à peu près, j'ai travaillé avec eux, faire les travaux de la ferme, le battage. Mais mon idée de partir en Espagne me tenait toujours, j'avais envie de rejoindre un camarade qui était sur la frontière espagnole à Béobi. Et un beau jour, je remarque des jeunes qui venaient avec des sacs à dos le soir à la ferme, ils venaient à 2 ou 3, puis ils repartaient une demi-heure après avec des gros sacs. Et j'en ai parlé à un des fermiers, à un des trois frères, j'en ai parlé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est, sans indiscrétion, ces jeunes, qu'est-ce que c'est? Alors il m'a dit, ce sont des gens du maquis. Il y avait un maquis à 2-3 kilomètres de chez eux. Et je lui ai dit, voilà ce que je cherche. À ce moment-là, je ne pars plus en Espagne, je préfère rester au combat en France. Et ça m'a encouragé à rentrer au maquis. J'ai donc demandé à ses frères de me présenter à ces gens du maquis, parce qu'il arrivait de but en blanc vis-à-vis d'eux, ça aurait peut-être été gênant, c'est pas dit qu'il m'ait accepté. Là, ils connaissaient bien ces fermiers, il n'y avait pas de crainte. Et les jeunes me disent, demain tu te prépares, notre chef viendra, et à ce moment-là, si tu es prêt, tu reviens avec lui. Alors c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, mon sac était prêt, et je suis parti. Je ne devais plus jamais revoir d'ailleurs ces fermiers qui avaient les cœurs serrés de me voir partir parce qu'ils avaient tenté un petit peu de me retenir, mais enfin pas trop violemment, en me disant, tu comprends, ta mère nous a confié, t'a confié à nous, c'est très délicat. Enfin, j'ai dit, écoute, il n'y a rien à faire, non, je m'en vais. Et j'ai quitté le confort de la ferme pour aller coucher dans une grotte sur une botte de paille avec une quinzaine de camarades. Et ensuite, j'ai continué dans le maquis. J'ai fait quelques missions avec eux. Vous pouvez en donner quelques exemples ? Alors, j'ai fait comme mission, nous avons fait dérailler un train de foudre de vin qui partait sur l'Allemagne. Nous avons détruit presque en totalité. Ça a tout de même bien arrangé les fermiers du coin, parce que quand le train déraillait, il y avait du vin partout, ça coulait à flot. Il y en avait encore dans les foudres, et les fermiers sont venus en vitesse faire le plein des barriques. C'était d'ailleurs très, très épique. Enfin... Je suis allé faire aussi l'expédition punitive, c'est ce qu'on appelait l'expédition punitive. J'étais avec le chef du commando de maquis, et nous sommes allés du côté de Saint-Florent-sur-Cher ou Saint-Amand-Montron. Ça consistait à... Nous avions une mission qui était assez loin, puisqu'il y avait au moins 250 km de chemin de fer pour aller et rejoindre cet endroit. Et on se promenait dans le train avec des Allemands tout autour, avec les sacs de matériel explosif, avec le dos plein de... pas plein, mais enfin nous avions des charges creuses. Et nous sommes allés saboter l'installation de ces deux personnes, deux personnes il y avait, oui, qui étaient des collaborateurs notoires et qui commençaient à ennuyer tout le monde. Alors, à titre d'avertissement, nous avions ordre de faire sauter leurs installations.
Quand vous dites leurs installations, c'est-à-dire... C'était des bâtiments. Des bâtiments ? Des bâtiments, des magasins. Des magasins ? Des magasins, oui. C'était des gens qui vendaient des matériaux de construction. Ça n'a pas fait des dégâts énormes. Il y a eu un coin de mur qui est tombé. C'était pas terrible, mais c'était un avertissement. Et ensuite, je suis revenu à mon maquis, à la Creuse. Entre-temps, nos camarades avaient déménagé de la grotte et ils étaient dans une forêt à côté, à quelques kilomètres, dans une sape qui avait été creusée dans le milieu des bois. Alors là, on logeait à moitié sous terre. Mais je ne suis pas resté longtemps, car à mon retour, un des responsables, ce que l'on appelait régional à l'époque, c'est-à-dire que c'était le patron du département, est venu me voir et m'a dit « Tu es désigné pour partir dans une école de cadres en Dordogne. Alors, est-ce que ça t'intéresse ?» Comme j'étais ancien militaire, évidemment, j'avais surtout été désigné parce que j'étais un ancien militaire. Et j'ai dit « Oui, ben bien sûr. » Et alors, j'ai fait mon sac encore une fois et je suis parti par étapes, c'est-à-dire que je devais contacter une personne à chaque tronçon de voyage que je faisais, qui me renvoyait sur un autre tronçon, etc., jusqu'à aboutir au fond d'un vallon en Dordogne, dans la région de Montignac, où était installée l'école, dans une maison en ruine, mais sur ce jeu on pouvait. Et je suis donc resté à l'école. Cette école de cadre, ça a duré environ 3-4 semaines, entre 3-4 semaines. Et de là, j'ai été nommé comme responsable d'un maquis en Dordogne. Je suis resté en Dordogne. J'ai combattu avec ce maquis. J'avais reçu comme ordre du chef toujours régional que... Nous n'avions pas d'armes, nous n'avions absolument rien comme armes. Et le maquis n'était pas très nombreux, il était une dizaine, mais il m'avait dit il faut faire des actions parce que maintenant on a besoin de se faire connaître. Et si on veut recevoir du matériel, il faut que nous fassions des actions, sinon autrement nous ne recevrons pas de parachutage. Alors j'ai entrepris, d'abord il a fallu faire des études, savoir ce qu'on allait pouvoir faire. Et après avoir eu un contact avec des gens des chemins de fer, de résistance rail, j'ai pu apprendre qu'il y avait un train de marchandises qui était en partance pour l'Allemagne à une certaine heure, quoi, et qui prenait la direction de Bordeaux. Alors à ce moment-là, j'ai réussi à me débrouiller à avoir par l'intermédiaire de mes chefs, bien sûr, à avoir un peu d'explosifs, et nous avons fait sauter le train. Et là, qui a été une réussite d'ailleurs, parce qu'il y a quand même eu 30 wagons détruits avec un tas de ravitaillements qui étaient devenus irrécupérables. Et par la suite, j'ai eu aussi la chance, avec des camarades qui étaient des gens bien décidés, qui n'avaient pas peur, à trouver une autre solution que de faire sauter des trains. On trouvait que c'était bien sûr, mais on détruisait surtout 30 wagons, et que ces wagons, nous en aurions besoin probablement au moment du débarquement, quand la France serait libérée, que c'était idiot, qu'il valait mieux détruire seulement les locomotives, endommager les locomotives. Alors, mes chefs m'ont dit, écoute, si tu veux le faire, fais-le, on va voir. Mais c'est dangereux. Alors, c'est ce que nous avons fait. Faisons ça, ces petits commandos à quatre, former les petits commandos à quatre. Nous allions, je peux continuer ? Allez-y, vous en prie. Nous allions le long des voies ferrées, à quelques kilomètres, comme j'étais à Périgueux. Je n'ai pas dit ça tout à l'heure, que j'étais dans les environs de Périgueux, j'étais basé à 15 km de Périgueux. Nous avons fait sauter des machines, des locomotives. Dans une petite gare, on arrivait, on coupait les installations téléphones. Généralement, il y avait un chef de gare et puis un ou deux employés qui ne discutaient pas.
Et on arrêtait le train avec la lampe rouge posée sur le quai, et le train s'arrêtait pour chaque train qui arrivait. Évidemment, c'était aussi bien des civils que des militaires. On ne choisissait pas le train, c'était la locomotive que l'on visait. On faisait détacher la locomotive, le train s'arrêtait. Vous savez qu'un fanion rouge, les trains s'arrêtent. Les trains continuaient, on faisait détacher la locomotive, on l'emmenait à 150 mètres de la gare. Deux de nos camarades restaient à la gare, les deux autres partaient avec la machine et là, posaient les charges sur les points névralgiques de la machine, c'est-à-dire le timbre et les cylindres, et on faisait sauter la locomotive. Alors, évidemment, le train restait en panne, il fallait renvoyer une locomotive de secours pour rechercher le train, mais la locomotive était arrêtée pour 6 mois au minimum, 6 mois de travaux pour la remettre en état. Ça, ça a été une opération sensationnelle, parce qu'il n'y a plus à craindre de victimes. Parce que ce que les Allemands faisaient, quand ça nous est arrivé une fois, avant que l'on passe à cette solution, c'est pour ça que la décision m'était venue de faire ça. Au dernier moment, le train qui m'avait été signalé était remplacé par un train de voyageurs. On a eu une chance inouïe, nos charges n'ont pas fonctionné, les crapouillots n'ont pas fonctionné. Ça faisait peut-être ce qui avait pris d'humidité, j'en sais rien. Et ça faisait plusieurs heures qu'on avait mis nos crapouillons en place. Le train ne passait toujours pas, et le train qui vient à passer, c'était, je vous dis, le train de voyageurs. Alors là, j'ai eu une peur inouïe. J'ai dit ça, alors c'est une catastrophe. Et heureusement, cette chance. Évidemment, ça a fait un petit claquement. Le train s'est arrêté, et aussitôt, ils ont recherché les charges, ils ont trouvé. Parce que nous, on attendait, on se cachait toujours à proximité pour voir ce qui se passait. Alors je reviens à ces machines, nous avons détruit pas mal de locomotives. Mais entre-temps, nous avions, à la suite de ce premier déraillement de train, ça nous avait valu de recevoir un parachutage. Alors nous avions choisi un terrain, on passait tous les renseignements par l'intermédiaire, ça passait par voie hiérarchique, hein, c'était pas moi qui le faisais directement, c'était mes chefs, mais c'était quand même moi qui avais participé au repère du terrain, et on passait la situation du terrain sur une carte routière, sur les cartes guides, Michelin, des choses comme ça. On plaçait l'emplacement du terrain, on le donnait, et c'était transmis à l'agent de l'intelligence service, parce qu'il y avait des agents de l'intelligence service dans les maquis aussi, hein, et qui transmettaient à Londres. Votre maquis, c'était le cas ? Pour votre maquis, c'était le cas ? Il y avait un agent de l'intelligence service ? Pas chez nous, non. Mais il était dans un maquis, mais il supervisait plusieurs maquis. Vous n'avez pas dit, pour situer ce maquis, il était rattaché à un mouvement de résistance connu ? Ah oui, oui, oui. C'était des maquis FTP. Oui. C'était Front et partisans français, qui étaient des groupes d'obédience communiste. Mais il n'y avait pas que des communistes dans le maquis. Et moi, je peux dire que je ne l'étais pas non plus, mais que ça a été une organisation formidable. Je ne me rappelle plus où je venais. Bien, vous parliez donc de ces sabotages de trains, de locomotives. Alors, pendant ce temps-là, votre frère, bon, lui est resté dans le Calvados. Oui. Alors, est-ce que... C'est vrai, j'ai oublié dériver. J'ai oublié de dériver. C'est pas grave. Donc, revenons dans le Calvados, chronologiquement, donc en arrière, avant que vous ne soyez convoqué pour le STO. Vous travaillez à la batterie de Merville. Voilà, bon. Oui. Alors là, votre frère, que fait-il pendant ce temps-là ? Pendant ce temps-là, mon frère, qui lui était au cadastre, comme contrôleur du cadastre, travaillait... avait rencontré le groupe Zéro France et travaillé pour le groupe Zéro France qui avait vu un gros parti attirer des fonctions au cadastre de mon frère puisqu'il travaillait sur la bande côtière entre Coursol, la Seule, je veux dire, et la Touque, les deux rivières. Il travaillait sur toute cette bande. Alors dans ces localités qui bordent la mer, ils avaient des agents, le cadastre avait des agents auxiliaires qui en général étaient engagés par le cadastre,
mais que l'on choisissait de préférence dans des gens ayant des affinités avec la résistance. Ça, c'était le travail de mon frère, c'est de sélectionner ces gens-là. Votre frère s'appelait Marcel, se prénommait Marcel ? Francis. Francis, pardon. Voilà. Et c'était, vous en aviez, c'était, vous étiez que deux frères. Deux frères, oui. Oui. Ce réseau dont vous parlez, le réseau Zéro France, existe depuis quand ? Est-ce que vous avez des informations ? Alors, le réseau Zéro France existait depuis fin 42, début 43. Et mon frère a dû rentrer vers le mois de juin 43 avec ce réseau. Il était en... Alors, quelle était sa particularité ? Alors, ce réseau était un réseau franco-belge de renseignement. Uniquement du renseignement. Et tous les renseignements, c'est-à-dire le mouvement de troupes, il y avait beaucoup de noms de gens que je vous ai donné tout à l'heure, qui faisaient du renseignement, étudier les déplacements des troupes, quel régiment c'était, enfin bref, tout ce qui peut concerner les actions militaires. Mais mon frère faisait du renseignement pour localiser toutes les batteries, tout ce qu'il pouvait y avoir comme arme de défense de la côte, d'installer. Vous savez qu'avant que tous les ouvrages en béton soient établis, les Allemands avaient fait des trous légèrement bétonnés ou avec des trucs de fortune, des matériaux de fortune, avaient fait des trous dans lesquels ils logeaient des mitrailleuses ou des petits canons anti-chars ou des petits canons anti-aériens. Enfin bref, c'était un petit peu hétéroclite comme défense à cette époque-là. Mais c'était quand même du matériel qui pouvait faire mal. Par la suite sont venus les ouvrages qui ont commencé à se construire en même temps que la batterie de Merville. Et là, l'activité de mon frère a continué. Tout en étant au cadastre, il faisait les levées de propriétés bâties et non bâties au cadastre. Et alors... Et pour ça, sa mission, il devait la faire. C'était des accords avec les Allemands. C'était une révision du cadastre qui était général en France à l'époque. Et les Allemands avaient donné des ordres aux responsables du cadastre qui visitaient ces zones. Alors c'est ce que faisait mon frère. Il allait contrôler le travail de ses auxiliaires. Et en même temps, il repérait visuellement, parce qu'il n'était pas question de prendre de notes, c'était beaucoup trop dangereux. Il visionnait les distances, il estimait, tiens là, il y a ça, il y a ça. Et là, il cherchait surtout un point de repère fixe, qui ne serait pas sujet d'être déplacé ou démoli, vous voyez. Un clocher d'église, ou enfin, c'est un exemple que je donne, ou une maison importante. Et pour repérer vis-à-vis de ces locaux-là. Parce que c'était des points de repère, tous ces locaux, c'était des points de repère qui figuraient déjà au cadastre. Alors, en donnant des distances par rapport à ça, ils visionnaient tout ça après, au mètre près, sur le plan du cadastre, sur la parcelle cadastrale, qui faisait partie d'un ensemble de plans pour la commune, et pour chaque localité, bien sûr. Alors, le chef de ce réseau, qui était-il ? Alors, le chef de ce réseau était M. Lepeu, qui était pharmacien à Dives-sur-Mer, sur la place du marché. Il avait monté ce réseau, avait eu un peu de mal à démarrer, mais petit à petit, il y arrivait tout de même, ça s'organisait. Donc, quand j'étais, moi, à la batterie de Merville, j'avais pu, mon frère venait de débuter avec eux, ça a été pour lui déjà un début. Dans le réseau, j'étais bien placé puisque je travaillais sur le chantier, j'ai pu fournir déjà les emplacements des batteries qui existaient provisoirement et des ouvrages qui étaient en construction, puisque quand je suis parti, il n'y avait pas d'ouvrage de terminé, mais ils étaient tous implantés. Vous étiez vous-même magasinier Oui, moi je travaillais comme magasinier. Alors Sous le couvert de mon travail, je pouvais me déplacer où je voulais dans le chantier. Ça, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Et j'en profitais pour fournir ces renseignements-là à mon frère, qui lui les a utilisés en les portant sur le cadastre de Miami de Franceville. Je ne sais plus ce que je devais me dire. Et alors après, il transmettait, à qui transmettait-il ces renseignements? Alors,
tous ces renseignements, voilà, je vais continuer maintenant sur la voie, tous ces renseignements étaient transmis à M. Le Peu, qui lui faisait son... Il positionnait les ouvrages sur le plan cadastral. Le plan cadastral était photographié et détruit immédiatement, de façon à ne pas risquer d'ennui. Hein. Le plan était détruit et la photo envoyée en Angleterre. Elle était donc, il y avait un service dans Zéro France, il y a quelques-uns qui étaient chargés de cette mission. Un avion venait périodiquement chercher le courrier. En général, ça se passait dans les marais de Saint-Sanson et de Varaville ou de Rombom. L'avion passait, ramassait le courrier, et tout ça se faisait en vol, hein, il n'y avait pas d'atterrissage. Et c'était M. Le Peu qui collectait la plupart de ces renseignements, c'était lui qui après retransmettait aux gens qui devaient faire l'opération. Je cherche pour continuer là. Alors, je vais jusqu'à l'arrestation, jusqu'à... Hein. Allez-y, racontez oui. Donc, oui, le, alors, ce qui s'est le récit passé, de cette arrestation. Ce qui s'est passé au mois de... C'est arrivé vers le mois de avril 44, pardon. Évidemment, le réseau a fonctionné, il y avait beaucoup de monde au réseau quand même. Je ne connais pas l'effectif exact. Et... une grande partie de ces gens qui travaillaient au réseau, un beau jour, il y en a qui a commis sur cette grande partie-là, il y en a qui ont commis des erreurs, des indiscrétions, quelque chose, et qui ont été arrêtés. Évidemment, ils sont passés à l'interrogatoire par la Gestapo, et les interrogatoires de la Gestapo, c'était très musclé. Et il y en a un qui a parlé, on ne peut pas en vouloir de celui qui parle sous la menace, sous la torture. Il a prononcé le mot de Le Peu. Évidemment, la Gestapo immédiatement est descendue chez Le Peu, a perquisitionné dans sa maison. Le Peu avait cru en sécurité des documents, notamment les listes de noms. Et il les avait cachés dans la hotte de sa cheminée. Il avait une grande cheminée de salon comme celle-ci. Là. Il avait caché ça dans la hotte, mais les gens de la Gestapo n'ont pas été dupes longtemps et ils ont découvert la cachette. Et c'est évident, dans les quelques heures qui ont suivi, il y a eu 40 arrestations. Les principaux responsables ont été arrêtés. C'est-à-dire que le réseau était entièrement décimé. Il y a eu 43 arrestations, je crois. Et il y a eu quelques confrontations à la Gestapo, mais ça n'a rien donné parce qu'ils avaient le prétexte de dire qu'ils ne se connaissaient pas entre eux, alors ça n'a pas été beaucoup plus loin. Mais la plus grande partie a été, il n'y a pas eu d'exécution, ils ont été déportés. Les 40 ont été déportés. Alors votre frère donc a été arrêté aussi ? Alors mon frère était dans le coup. Son arrestation a été... Il ne savait même pas que M. Le Peu était arrêté. Personne n'avait pu être prévenu maintenant. Ça a été vraiment la surprise. Ils ont vite fait. Et mon frère, lui, a été arrêté par un civil français, un jeune, qui travaillait pour la Gestapo et qui était en poste à la mairie de Varaville, la mairie où nous habitions, au Varaville. Et quel était son nom ? Tillier. Tillier, oui. T-I-2-L-I-E-R. Et qui était pour la Gestapo et qui, un beau jour, a convoqué, deux jours après le coup de l'arrestation de M. Le Peu, avait convoqué mon frère à la première heure à Caen, à la Gestapo, qui à ce moment-là se situait dans l'hôtel Malherbe. Et il lui avait dit, écoutez, il faudrait que vous passiez voir, puisqu'il savait que mon frère travaillait à Caen. On le connaissait, hein, c'était un garçon issu de la commune. Hein. Et il faudrait que vous passiez voir, parce que j'ai quelques problèmes à voir avec vous. Alors bon, alors son bureau était là, à l'hôtel Malherbe. Alors mon frère va le trouver.
Elle lui dit, bon, ben, M. Marion, venez avec moi. Il l'a emmené dans un étage. Et puis, en rentrant, il dit aux Allemands qui étaient là, et puis il dit, je vous présente M. Marion. Putain, aussitôt, une paire de menottes autour des mains, et ça a été fini. Il a été déporté. Est-ce que vous connaissez le nom des autres Français qui ont participé à l'arrestation des autres membres du groupe Zéro France? Non. Non, même le Français qui a parlé... On parle du groupe Hervé. Allez, dans les... Il y a eu, je crois, Hervé. Ça, je sais qu'il y a eu Hervé, puisque mon frère a été interrogé par Hervé. Alors, ça, je suis moins sûr de ça pour ce qui le concerne. Il y aurait eu aussi Hens, aussi, qui était le patron même d'Hervé, je crois. Il y avait Hens aussi qui était dans le coup. Qui était l'Allemand, lui, oui, un Allemand. Qui était l'Allemand. Mais mon frère a été interrogé par Hervé aussi. Par Hervé. Hervé était un garagiste de Saint-Thomas-sur-Mer. Je ne sais pas ce qu'il était exactement, oui. Enfin, il travaillait pour les Gestapo. Et il avait dû procéder à des arrestations, parce que pour arrêter 40 personnes qui sont disséminées, il faut quand même du monde. Alors j'imagine que la Gestapo avait mobilisé tout le monde. Donc votre frère est arrêté dans les locaux de la Gestapo. On dit que pourtant les locaux, c'était rue des Jacobins. Ah oui, mais il y avait... Il y avait aussi une autre antenne. Il y avait une antenne, oui, il y avait une antenne. Après, il a été confronté avec Le Peu, puisque Le Peu, c'était par Le Peu, en quelque sorte, par les listes de Le Peu que mon frère avait été signalé. Il a été interrogé et confronté avec Le Peu à la Gestapo. Mais alors là, j'ignore si c'était à Malherbe ou bien rue des Jacobins, je ne sais pas. Et vous avez des précisions sur l'interrogatoire dont il a fait l'objet? La confrontation, évidemment, ça a été de leur demander les renseignements qu'ils avaient fournis. Alors, ça a été très évasif, les renseignements. Ils n'avaient aucune preuve de ces renseignements. Tous les plans qui avaient été établis, Le Peu ne les avait même jamais eu entre les mains. Ils n'avaient eu que les photos pour les transférer au chargé de mission pour le transport. Alors, évidemment, les Allemands ont essayé de jouer entre les deux, renvoyer ce que celui-là avait dit ou pas dit. Mais enfin, comme ils n'ont pas parlé, ça n'a pas porté à conséquence. Du fait qu'il n'y avait pas eu d'attentat contre les Allemands, c'était un service d'espionnage qui était dangereux, bien sûr, mais enfin qui n'avait pas réellement pratiqué d'attaque contre les Allemands. Et je crois que c'est ce qui les a sauvés de la condamnation à mort. Et ils ont été transférés au camp de... ils sont allés par le camp de Compiègne. Mais est-ce qu'ils ont été jugés? Est-ce qu'il y a eu un... Ils sont passés devant un tribunal, non? Après l'arrestation par la Gestapo, ils ont été envoyés sur Compiègne et déportés. Directement, oui. Compiègne et ensuite Neuengamme. Neuengamme. C'est là qu'il a rencontré Bernard Boulot, d'ailleurs. Ils étaient ensemble, ils ont quitté la prison, là, je crois, vers le 15 mai, je crois que c'est ça. Le 15 mai 1945. 44. 44. 44. Ah oui, la prison de... Oui, trois semaines avant le débarquement. Bien, alors justement, la transition est toute trouvée pour parler de la prison de Caen. Oui. Alors, M. Marion, vous avez fait des recherches, ou plus exactement, on vous a confié des recherches sur les résistants qui ont été massacrés le 6 juin 1944 à la maison d'arrêt de Caen. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez donc raconter, faire un peu l'historique de cette recherche? Alors, le 16 novembre 1985, nous avions une réunion de notre association du Calvados, déportés, internés, résistants et familles de disparus, dont les familles des exécutés de la prison de Caen étaient membres.
Nous avions une grande réunion et les gens des familles, ce jour-là, ont manifesté assez sérieusement en disant oui, et de toutes les recherches pour retrouver les lieux où ont été inhumés les corps de nos familles, toutes les recherches ont l'air d'être abandonnées. Nous pensons qu'il doit y avoir moyen de quand même faire quelque chose. Enfin, ils n'admettaient pas. Et alors, il venait de se passer surtout, c'était à la suite qu'on avait appris par la presse que des gens de l'Eure avaient décidé de construire une stèle dans la forêt de la Londe, auprès de pas loin de Rouen, dans 30 km de Rouen, je crois. La forêt de la Londe, parce qu'il y avait eu des témoins qui avaient dit que des corps avaient été incinérés par les Allemands dans la forêt de la Londe. Et alors, évidemment, comme on ne savait pas où étaient passés les corps de nos gens de camp, ça a été vite dit que, après tout, c'était certainement les corps des prisonniers de camp qui avaient été incinérés dans la forêt de la Londe, avec déjà des gens de l'heure. Et ça, personne ne voulait y croire. Parmi nous, personne ne voulait y croire, parce qu'on imagine bien que nous étions environ le 29 ou 30, ou 1er juillet, je crois. Les Allemands avaient autre chose à faire que de transporter des corps sur 100 km pour les incinérer, d'autant plus que les Canadiens étaient à 6 km de la prison, hein, à cette époque-là, depuis le début juin. Depuis le 7 ou 8 juin. Et les personnes donc ont demandé si ce ne serait pas possible, ces familles ont demandé si ce ne serait pas possible de créer un comité qui reprendrait les recherches et autres. Il n'y avait pas beaucoup de volontaires. Moi j'étais volontaire pour le faire, évidemment, on m'est tombé dessus. Et j'ai eu la chance, 4 ou 5 jours après cette réunion, au cours d'une assemblée de mon camp de Mauthausen à Paris, de rencontrer Jacques Delarue qui déjeunait à côté de moi. Et je lui en parle, sans savoir vraiment ce qu'il était. Je lui en parle comme ça, au pourpoint, je lui dis voilà. Je suis désigné pour faire des recherches. Mais il me dit, là, tu tombes bien, parce que je connais très, très bien l'affaire de la prison de Caen. Ce que je fallait que je fasse, moi, surtout, pour connaître l'affaire de la prison de Caen, il fallait que je reprenne le dossier de qui était déposé aux archives communales, aux archives de Caen. Mmh. Alors, je lui explique pourquoi il fallait retrouver. Il me dit, écoute, si on te refuse le dossier, parce qu'ils peuvent me le refuser, on ne donne pas les dossiers à consulter à n'importe qui, si on te refuse le dossier, tranquillise-toi, moi j'ai des doubles, parce que j'ai travaillé aussi sur cette enquête, j'ai fait des enquêtes en sa qualité d'ancien commissaire divisionnaire et d'historien. Donc, je te vois si je retrouve dans mes archives, si j'arrive à retrouver le courrier que j'ai fait, parce que j'ai donné des noms dans une lettre, j'ai donné des noms de personnes qui auraient été susceptibles de travailler à l'exhumation des prisonniers de la prison de Caen. Si tu veux, dans 4-5 jours, donne-moi le temps de rechercher et je t'envoie cette lettre, la copie de cette lettre. Il a tenu parole parce que c'est ce qui est arrivé, il m'a envoyé la lettre. Pour moi, ça a été mon début d'enquête, c'était de partir de cette lettre, j'avais plus besoin de m'occuper du dossier. Ça ne m'aurait rien apporté, puisque ça n'avait apporté rien à personne. Mais ce qui s'était passé, c'est que Jacques Delarue avait écrit au président de cette association créée par les familles après la Libération. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lettre a été classée dans le dossier, et personne n'a utilisé les renseignements que Delarue fournissait. C'est-à-dire qu'il donnait le nom de deux garçons qui avaient été transférés de la prison d'Alençon avec 6 autres camarades, c'est-à-dire qu'ils étaient 8 qui venaient de la prison d'Alençon pour venir exhumer les corps à Caen. Alors
je suis parti de ces noms. Alors, ces noms, ce sont ceux de... De Heurtaud et Constantin. Marcel Heurtaud et Constantin. Marcel Heurtaud et Constantin, qui sont natifs de Couterne et de Saint... comment ça s'appelle ? Les Andennes, un nom. Moi, je le retrouverai. Enfin, ce qui est de pas loin de Couterne, dans les environs de Couterne. Donc, je suis allé enquêter dans ces coins-là. Et j'ai, dans les mairies, dans la mairie de Couterne, j'ai retrouvé la trace de Heurtaud. J'ai appris qu'il était marié, même le nom de jeune fille de sa femme, mais que ça remontait à 40 ans et qu'il était à Périgueux. Alors donc, je n'avais pas l'adresse. Constantin, ça a été réglé tout de suite parce que j'ai appris qu'il était mort. Il a fallu que je recherche donc de la famille de Heurtaud, puisqu'il était de l'Orne. J'ai eu la chance, par des renseignements, d'avoir l'adresse de son frère à Avoine, dans l'Orne. Je suis allé le trouver, bien sûr, et il m'a donné l'adresse de son frère. Il m'a dit, oh, il y a au moins 4 ou 5 ans que je ne l'ai pas vu, mais voilà son adresse. J'avais un camarade qui était dans la police à Périgueux, enfin à Limoges plus exactement, mais qui avait des agents sur Périgueux. Il m'a dit, je vais faire rechercher Heurtaud, si tu veux. Je lui avais téléphoné, je lui ai envoyé l'adresse, je voulais que fait par la police, ce soit plus sûr. Et en effet, au bout d'un moment, eh bien, il n'y avait pas de Heurtaud à l'adresse que j'avais donnée. Alors ça me posait une difficulté. Et est-ce que nos amis qui ont fait les recherches à l'époque ne sont pas tombés sur le même os et qu'ils ont laissé tomber? Alors, je suis retourné voir le frère. Je lui ai dit, écoutez, je regrette, mais il n'y a pas des personnes ici. Alors, il m'a expliqué, il m'a dit, si, il y a quelqu'un, mais c'est fort possible qu'il ne soit pas sous son nom. Il habite avec sa fille. Et il est probable qu'il est sous le nom de sa fille et son gendre. Donc, personne ne connaît Heurtaud. Bon, alors je fais une et deux. J'ai pris la voiture, puis je suis allé à Périgueux, à l'adresse, et je suis tombé sur Heurtaud lui-même, qui m'a très bien reçu, bien sûr. On se méfiait avec Jacques Delarue, parce que nous étions en relation continuelle avec Jacques Delarue. Je relisais encore ses lettres ce matin, par téléphone surtout. Et on craignait que ce Heurtaud ait quelque chose à se reprocher, etc. On ne sait pas. Mais il n'ose pas se signaler. Il n'osait pas se signaler. Parce que je lui ai demandé, vous avez déjà été interrogé à ce sujet-là? Il me dit non, jamais. Personne. Alors ça me paraissait gros qu'il n'ait jamais été interrogé. Mais... c'est comme ça que j'ai appris, il a parlé, enfin il l'a fait après une déclaration ouverte à Jacques Delarue, parce que j'ai passé mes renseignements à Jacques Delarue, je dis maintenant toi tu es professionnel, tu vas en tirer mieux que moi pour ces renseignements. C'est ce qu'il a fait. Il est descendu à Périgueux, et avec un témoin, nommé Germano, qui est un de mes camarades également, ils ont interrogé Heurtaud, pour savoir le transport des corps, et c'est là qu'il nous a dit que les corps, il exhumait, ils étaient deux, lui et Constantin, à sortir les corps des fosses, mais qu'il y avait d'autres équipes qui travaillaient dans les cours de la prison à faire le même travail. Les corps étaient roulés dans des couvertures et chargés sur un camion. Heurtaud se souvient très bien, lui, avoir compté 38 corps qu'il a sortis dans cette journée de travail. Mmh. Mais les autres peuvent en avoir sorti autant. Ah oui. Et il ne précise pas le nombre d'équipes et en même temps le nombre de fosses. Ils étaient huit. Alors, moi, je crois qu'ils étaient au maximum trois équipes. Peut-être ont-ils embauché un ou deux autres gars ou étaient-ils aidés par des Allemands? Je ne sais pas. Ça, il ne nous l'a pas dit. Marcel Heurtaud était avec lui, avec Constantin. Marcel Heurtaud était avec Constantin. Il était avec Constantin, oui. Donc on peut supposer qu'il y a eu quatre équipes de deux, alors. Alors, on pourrait supposer à sortir les corps de la fosse. Hein. Mm-hmm. Ils sortaient les corps de la fosse, qui étaient déjà en décomposition. Ça faisait trois semaines qu'ils étaient dans la terre.
Et c'était désagréable à faire. Ils faisaient ça sans gants. Hein. Alors, peut-être trois équipes de deux. On a dit qu'il y avait eu quatre fausses. Je n'ai pas contrôlé, moi, je ne sais pas. Mais enfin, je crois que c'est ça. On a dû retrouver les traces des quatre fausses. Hein. Maintenant, est-ce qu'une équipe qui avait fini une fausse n'est pas allée travailler sur une autre fausse? Sait-on ce que sont devenus les autres membres de l'équipe? Alors, lui, quand le travail a été fini, je ne sais pas si vous savez qu'il faisait des voyages avec le camion, avec les corps, et le voyage avec un camion bâché dans lequel les huit étaient attachés ensemble, dans le camion bâché. Et d'après les témoignages, et puis d'après eux-mêmes, il leur semble qu'ils prenaient, en sortant de la prison de Caen, ils prenaient une route sur la gauche, c'est-à-dire pour nous, c'est ce qui est la maladrerie maintenant, et que de là, ils prenaient ou une bretelle, ou à la bretelle, en sortie de la maladrerie, ils prenaient ou direction de Bayeux, ou direction... l'autre côté, c'est le Mont-Saint-Michel. Et Heurtaud se souvient, lui, avoir aperçu par le battement de la bâche à l'arrière, à un moment donné, il regardait toujours dehors, bien sûr, il voulait savoir où ils étaient, sur un panneau Michelin, avoir vu Saint-Brieuc. Alors donc, la route de Saint-Brieuc, je ne peux pas certifier moi, que ça existait ou que ça n'existait pas. Il faudrait des gens qui aient grandi dans le coin, qui aient toujours vécu, qui le disent. Mais elle était située, cette pancarte Michelin, certainement à l'embranchement, à la sortie de la maladrerie, sur la rue qui part à gauche vers le Mont-Saint-Michel. Je crois que c'était valable. Et en cours de route, au bout d'un petit moment, ils ont été arrêtés sur la route par un mitraillement d'avion. Les avions alliés mitraillaient la route et les Allemands ont sauté des camions, se sont fichus dans les fossés et ils ont laissé les gars ficelés dans la voiture. Enfin, il n'y avait pas eu de dommages. Le camion est reparti, ils ont été arrêtés environ une demi-heure, le camion est reparti et cette histoire de mitraillage est valable parce que les Américains, les Canadiens n'étaient pas très loin, et il est probable qu'il y avait des observateurs, et dès qu'ils voyaient bouger un véhicule, par téléphone à l'aviation, ils venaient arroser la route. Et c'est ce qui fait qu'à chaque voyage, ils ont été mitraillés. Par combien ont-ils fait de voyages? Alors lui, il a fait deux voyages. Deux voyages? Deux voyages. Alors le camion marchait devant, le camion avec les corps, et quand ils arrivaient à destination, il leur semblait que le camion manœuvrait, et même quelquefois risquait certainement de s'enliser ou quelque chose, parce qu'ils entendaient les éclats de voix des Allemands qui faisaient stop, stop. Enfin, ça voulait dire ça tout au moins. Et après, ils repartaient, mais ils ne sortaient pas des camions. Mmh. Ensuite, ils sont venus une autre, ils avaient pris l'autre direction, et là, ils avaient bien vu le panneau Bayeux. Donc, il semblerait bien que les corps sont inhumés dans cette région-là. C'est ce que nous en avons déduit, puisque ça correspond à des témoignages qui avaient été donnés par des gardiens de la prison du quartier français, qui avaient vu des camions sortir et se diriger vers la maladrerie quand ils sortaient de l'allée de la prison. Mmh. Alors, les dires de Heurtaud, coïncideraient bien. Mmh. Et quand ils sont revenus à la prison, il y en a six qui ont été embarqués avec un camion, je ne sais où. Il ne les a pas revus. Et eux deux, qui avaient les mains blessées, qui avaient les mains en très mauvais état, sont partis avec une voiture particulière, accompagnés de deux Allemands, et qui les ont ramenés à la prison d'Alençon. À Alençon, ils ont été transférés immédiatement à l'hôpital, et de l'hôpital, ils se sont enfuis. Ils ont réussi à se sauver. Heurtaud, je crois que tous les deux d'ailleurs, ils ont rejoint la Delattre de Tassigny, et puis ils ont fini la guerre avec Delattre de Tassigny. Mmh. Heurtaud est revenu, a été démobilisé, je crois, à Périgueux ou à côté de Périgueux. Il est resté, il a rencontré une femme, et il s'est marié, et il n'est jamais plus revenu en Normandie. Mmh. Alors, il reste que l'endroit exact de l'inhumation des corps, en dépit de ce,
de ce témoignage et des rapports qui ont été rédigés par Jacques Delarue reste inconnu. Elle reste inconnue. On fait que des suppositions. Ils n'ont rien pu identifier. Ils ont vu des arbres, mais enfin, à cette époque-là, les arbres, il en restait encore, debout. Hein. Mm-hmm. Tout n'était pas fauché. Ce qui s'est passé, c'est que, on suppose qu'il y avait énormément de trous de bombes dans cette région-là, parce que Carpiquet avait été arrosé par l'aviation, par les chars, par les canons. Il est fort possible que les trous de bombes qu'il y avait sur Carpiquet, c'était des trous qui faisaient au minimum 50 mètres de diamètre. Alors la profondeur est en rapport. C'était une véritable vase qui avait en fond des trous. Il est fort probable qu'ils aient baigné les cordes dans ces trous. Et puis les bulldozers sont venus, ils n'ont pas été voir ce qu'il y avait au fond. Ils ont poussé. Puis même s'ils avaient essayé, ils n'auraient rien trouvé, parce que les corps ont dû descendre dans la vase. Donc vous vous rangez à l'hypothèse de Jacques Delarue, oui, oui. Qui vous paraît la plus vraisemblable, ah, oui. C'est-à-dire oui. Que les corps ont été enterrés quelque part du côté de l'aérodrome de Carpiquet. C'est ce que l'on s'explique, parce que c'est là où... Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y avait pas de trou de fait. Hein. Ils arrivaient, ils entendaient le camion qui baignait ses corps, et il fallait bien qu'il y ait un trou. Donc, ça s'expliquerait comme ça, que tous ces trous de bombes aient servi. Parce que c'est arrivé quand même qu'on a retrouvé des corps dans les trous de bombes. Il y a eu d'autres endroits. Hein. Mais on ne s'imagine pas du tout qu'ils aient pu les emmener dans une autre direction. Il n'y a eu aucun témoignage de ce genre de... On n'a jamais retrouvé d'autres corps ailleurs. Et avec le témoignage qui était valable aussi, c'était celui de les emmener à la Londe, à la forêt de la Londe, et de les incinérer. Parce qu'il y a quand même des témoins d'une incinération qui a eu lieu. Seulement, il y a eu un maquis dans ce coin-là qui a été décimé et que tous les gars ont été peut-être incinérés, et c'est peut-être ces gens-là que les gens ont vu brûler. Dans le rapport que j'ai lu, Jacques Delarue estime que... Enfin, évacue complètement l'idée que ce qui ait pu être brûlé dans la forêt de la Longue ait été les corps des suppliciés de la prison de Caen. En revanche, il semble accréditer le fait que les Allemands aient incinéré les affaires personnelles des prisonniers de Caen. Non, puisque les corps étaient habillés quand ils ont été extraits des fosses. Oui, mais enfin, par affaires personnelles, c'est-à-dire les sacs, les ceinturons, les portefeuilles, etc. Ah oui. Ah, oui les oui. Objets personnels, vous voyez, oui, de oui. Ce genre-là. Oui. Ils auraient été incinérés par... Je ne comprends pas que Jacques Delarue accrédite davantage, si vous voulez, cette thèse-là. Dans la mesure où il dit par ailleurs que les déplacements, et vous le dites aussi vous-même, les déplacements étaient extrêmement périlleux à l'époque, puisque l'aviation alliée avait une maîtrise totale de l'air, et qu'on ne voit mal les Allemands risquant leur vie pour des objets, allant jusque près de Rouen pour les incinérer. Même s'il y avait eu que le fait de risquer la vie, c'était un détail pour eux. Ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient un mal inouï à avoir des véhicules et du carburant. C'était un problème. Je pense que s'ils avaient demandé des camions, il est probable qu'ils n'auraient pas, ils les auraient pas eu. S'ils avaient demandé des camions pour le faire, je suis certain qu'ils ne les auraient pas eu, parce que à ce moment-là, il y avait autre chose vraiment à faire. Hein. Il y avait des choses beaucoup plus urgentes à transporter. Mais enfin, comme de toute façon, il ne fallait pas laisser de traces, c'était les ordres qui avaient été donnés, il faut faire disparaître à tout prix les prisonniers, il fallait qu'ils disparaissent. Alors il y a eu quand même, parallèlement à ça, des prisonniers qui sont partis à pied. Le lendemain, le 7 juin, le lendemain de l'exécution. Oui, d'ailleurs c'est assez étrange, pourquoi cette sélection, alors que parmi ces prisonniers qui ont été...
qui ont été emmenés vers Paris, puis qui ont été libérés par la résistance en Belgique, il y avait également des résistants, tout comme ceux qui ont été massacrés dans les courettes. Alors, c'est ça qu'on s'explique difficilement. Mais il y a eu un tri de fait par Hens. Hens a fait un tri, et arbitrairement, il a décidé de fusiller un tel, un tel. C'est lui qui a décidé, forcément, puisque c'est lui qui a fait ce tri. Vous êtes certain que Hens, c'est lui qui a décidé Moi je crois, avec peut-être son équipe, quoi. Mais ce sont eux, puisqu'ils avaient les registres, les condamnations, pour ceux qui avaient été jugés, parce que tout le monde n'avait pas été jugé. Vous savez, vous avez des gens qui ont été condamnés, qui n'ont jamais été exécutés, côté notamment qui n'ont jamais été exécutés. Et puis vous avez des gens qui n'ont jamais été condamnés, puis qui ont été exécutés. Moi, je sais qu'à l'époque où j'étais en prison, quand j'étais arrêté au maquis, il y a des gens qui ont été exécutés sans tribunal. Ils ont été passés par les armes comme ça, sur décision des officiers. Alors justement, reprenons le récit de avant, quand vous étiez en Dordogne, c'est là où vous l'aviez laissé. Donc le maquis s'est trouvé en difficulté, vous avez été arrêté, est-ce que vous pouvez reprendre le récit de ce... Je venais d'être nommé régional. Régional dans les FTP, c'est-à-dire responsable militaire régional, c'est-à-dire que ça comportait la Dordogne. Et à cette époque, j'ai été arrêté en février 1943, nous avions déjà 1200 personnes dans les maquis de Dordogne. Attendez, vous avez dit février 1943 44, excusez-moi. Non, février 1944. Il y avait déjà 1200 personnes en Dordogne, y compris évidemment les maquis qui dépendaient de notre organisation, dont j'étais responsable militaire. Évidemment, tous, ce n'étaient pas des combattants. Dans les maquisards, vous aviez les gens qui fuyaient le STO, qui ne voulaient pas partir en Allemagne, simplement se cacher et... Ils venaient se cacher aussi dans nos maquis, ils faisaient comme nous, ils s'installaient, ils étaient beaucoup plus nombreux, ils étaient par groupe de 100 quelquefois, c'était d'ailleurs des erreurs, mais ces gens-là n'avaient absolument pas d'armes, rien du tout, ils ne combattaient pas, ils étaient cachés. Mais en général, les maquis qui combattaient, comme dans ceux que je faisais partie, nous étions par petits groupes de 15-20 maximum, et puis logions comme ça, soit dans des sapes, soit dans des grottes, s'il y avait des rochers, enfin, des maisons abandonnées. On se répartissait comme on pouvait. Et on encadrait ces gens qui étaient des réfractaires. On les encadrait toujours. On avait toujours des gens de chez nous qui les encadraient pour les empêcher de se faire trop remarquer, ne pas partir dans les villages, ne pas faire de feu, etc., pour éviter d'être repéré. Et de l'organisation du maquis FTP, c'était assez bien fait. Ça a été très très bien fait. Et moi, j'avais donc remplacé un camarade qui, de régional, était devenu interrégional. Quand il est passé à l'interrégion, ça comprenait plusieurs départements, c'est-à-dire les départements limitrophes de la Dordogne, et la Dordogne, il était toujours mon chef direct. J'avais donc commencé avec lui une visite des différents groupes de maquis qu'il y avait sur la zone de maquis actif. Et j'avais rendez-vous avec lui pour partir, on devait partir à Bergerac, et à la gare des cars de Périgueux. Et à l'heure où nous devions nous retrouver, il était 6 heures du soir, nous devons partir à 6 heures du soir, personne, évidemment,
je suis inquiet, mais enfin, je n'insiste pas. J'ai dit, bon, peut-être qu'il sera là demain matin. Et le lendemain matin, toujours personne. Alors, comme je connaissais la boîte à lettres, c'est ce qu'on appelait une boîte à lettres, c'était généralement une femme qui rassemblait ce qui pouvait arriver, les différents courriers et autres, j'ai entrepris d'aller la voir, je savais où elle habitait, pour savoir s'il y avait des nouvelles de Jackie. Et quand je suis arrivé là, je suis reçu par la concierge, et qui me fait tout un scandale, en me disant, mais cette femme, elle recevait des hommes chez elle, elle a été arrêtée hier soir avec un homme chez elle, et l'homme, c'était Jackie, qui était passé pour relever son courrier, et elle, bien sûr, qui avait été arrêtée. Ils ont été arrêtés tous les deux. Et alors, j'étais à Périgueux. Et comment s'appelait-il l'un et l'autre ? Alors, la femme, elle s'appelait, à ce moment-là, elle n'était pas mariée, elle s'appelait Renée Tissadi. Et il se trouvait que c'était aussi une camarade à moi qui habitait le Homme, qui était du Homme également, qui était venue au maquis parce qu'elle se trouvait que ses parents étaient italiens et qu'il commençait à avoir des ennuis avec les Allemands. Alors, ils voulaient partir, s'éloigner du Homme, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils sont venus retrouver leur fille à Périgueux, enfin dans les environs de Périgueux, c'était un petit pays, je m'en rappelle pas le nom, parce que la fille avait trouvé une maison pour que ses parents viennent la rejoindre. Elle était donc partie, et comme elle voulait faire de l'action, je l'avais fait engager chez nous. Et elle servait de boîte à lettres à Périgueux. Mmh. Et elle faisait des petites liaisons, renseignements, ou entre maquis aussi, elle allait quelquefois dans les maquis. Mmh. Et quel était le nom de l'interrégional? Et alors, l'interrégional s'appelait Jackie Thomas. Jackie Thomas. Jackie Thomas. Mais il était sous son pseudonyme, c'était Jackie. Comme le mien était Léo. Léo. Ouais. Et Jackie a été arrêté. Moi, nous avions nos cartes d'identité, la fille et moi, du maire de Varaville. Elle avait falsifié son âge, et moi, je n'avais rien falsifié. Mais les Allemands ne sont pas quand même bêtes à ce point-là. Ils ont bien vu que nous venions de... La signature était celle du même maire, etc. Et ils nous ont confrontés pour... Attendez, vous n'avez pas expliqué dans quelles conditions vous avez été arrêté? Ah oui, oui, d'accord. J'ai d'abord été arrêté. Quand j'ai su qu'ils avaient été arrêtés, j'ai dit, bon, maintenant, il faut que je prévienne les camarades, parce qu'on ne savait pas si Jackie serait torturé ou pas, et s'il ne parlerait pas. Alors, je suis parti immédiatement, à pied, sur la route de Périgueux, pour rejoindre mon PC, qui était à 25 km de Périgueux. J'ai dit, je vais essayer de rejoindre à pied. Il n'y avait pas de train pour aller à cet endroit-là. Et alors, j'avais rencontré à Périgueux un autre camarade qui était avec nous et qui était instructeur pour le maniement des armes, qui faisait instructeur alors qu'il tournait dans les maquis et qui instruisait les jeunes, puisque nous étions tous, moi je connaissais des armes, mais beaucoup n'avaient jamais vu d'armes de leur vie. Alors, ils avaient donc un instructeur que je rencontre par hasard. Alors tous les deux, nous sommes partis à pied pour nous tenir compagnie. Le midi, on se trouve à la sortie de Périgueux, à l'Espara, un petit pays qui s'appelle l'Espara, et nous nous arrêtons chez un de nos copains qui avait un petit hôtel-restaurant. On s'arrête, ils ont voulu nous garder pour déjeuner, nous sommes restés déjeuner avec eux, et comme nous nous servions de lui aussi, comme... une boîte aux lettres, si vous voulez, mais de dépôt de matériel. Nous déposions chez lui des armes et les maquis qui avaient besoin de ces armes venaient les chercher. Alors, on a repris la route aussitôt après déjeuner, et en sortant de dehors, ce monsieur, cet hôtelier, nous dit, il y a des gars qui sont venus la dernière fois chercher le matériel, ont oublié une boîte de cartouches. C'était une boîte dans laquelle il y avait une douzaine de balles de mitraillettes. Alors lui, il dit, tenez-moi, ça me concerne. Il met les balles dans sa poche
Et puis on reprend la route tous les deux. On fait à peu près 200 mètres après l'hôtel, sur la route de Brive, à pied. Et arrive une traction avant, qui stoppe net à côté de nous. On a cru sur le coup que c'était un de nos commandos de maquis, puisque la traction avant était très affectionnée par nos gens. Et manque de chance, il est sorti de la 4SS, mitraillette au poing, et qui nous ont mis en joue, fouillés et tout, et qui n'ont rien trouvé. On a fait voir nos papiers étaient apparemment en règle, ils nous ont laissé repartir. Et au moment où on repartait, il y a mon camarade qui repense soudain à un bol de cartouches dans sa poche. Alors il met la main dans sa poche pour l'acheter. Entre-temps, pendant qu'il nous fouillait, il y a des camions de militaires qui sont arrivés, qui ont stationné derrière la traction. Il y avait 3 ou 4 camions de militaires. Ils venaient de faire une rafle dans les maquis, parce que quand nous sommes montés dans les camions, on a retrouvé le copain qui était là. Et il y a un type, un soldat, qui était dans le camion derrière, qui a crié quelque chose. Les gars sont redescendus de la voiture et ont trouvé la boîte de cartouches dans la main. Alors là, on ne pouvait plus dire qu'on n'était pas... On a raconté une histoire, on a eu le temps de se dire on ne se connaît pas. Et puis lui, il a dit, mais c'est une boîte que je viens de trouver dans le fossé, là, à tel endroit. Et moi, j'ai certifié ce qu'il disait, quoi. C'est tout ce qu'on a pu faire. Mais ça n'a pas été plus loin. Hein. On a été embarqué dans les camions. On s'est retrouvé à la caserne du 43e d'artillerie à Périgueux. Et là, on nous a fait des fiches. Et puis, ils ont inscrit à l'encre rouge « terroriste » sur les fiches. Notre compte était bon, on n'est pas passé au tribunal, mais j'ai été transféré, lui aussi d'ailleurs, il a été transféré à Limoges, et à Limoges, on nous a embarqués pour l'Allemagne, pour Compiègne et Royallieu, le camp de Royallieu. Royallieu, et après, ensuite Mauthausen. Nous étions en Moselle, d'ailleurs tous les deux, nous étions toujours ensemble. Mauthausen en Autriche. Voilà, oui. À Limoges, j'ai échappé d'un cheveu à l'exécution par les Allemands avaient fusillé 25 prisonniers, dont 2 qui étaient dans ma cellule. Nous étions 6 par cellule. À Beaujou, ils sont venus, ils ont pris les 2 et ils ont exécutés à Brantôme, qui faisait partie de 25 otages. Et le soir, le gardien, nous avions un gardien qui était un gardien de prison, qui était gardien de notre étage, qui était un ancien ingénieur de chez Geffarben Industrie. Il nous a dit que nos camarades avaient été fusillés. Et en effet, ils sont sur le monument mort à Brantôme. Et 2 jours après, même processus, ils viennent et ils m'appellent que moi. Ils me font descendre en bas. J'arrive en bas, au rez-de-chaussée, il y avait un monôme qui était en formation. Il me colle derrière le monôme et il y avait les gens de la Gestapo avec leur manteau de peau et de cuir qui étaient là, qui comptaient. Et puis à un moment donné, il y en a un qui passe la main devant moi et puis qui me recule comme ça. Il leur fallait 25 otages et j'étais le 26e. Ils ont été fusillés à Saint-Pierre-de-Chignac. Juste dans le secteur où je menais mon action de résistance la plus importante. Là, j'ai échappé gros aussi. Alors, vous avez été déporté à Mauthausen à quelle date Je suis parti le 6 mai de 44. Le 6 mai 44. J'étais arrêté le 22 février 44, bien sûr. J'ai été à Compiègne, donc je suis resté une semaine à Compiègne. Parti le 6 mai et arrivé à Mauthausen le 8 mai. Et libéré le 6 mai 45 par les Américains. Mais pas à Mauthausen, libéré dans un commando de Mauthausen, le commando d'Ebensee. Que faisiez-vous dans ce commando ?
Entre-temps, j'étais au commando de Melk. J'avais été au commando de Melk sur les bords du Danube. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un commando, s'il vous plaît ? Commando, c'est un petit camp. C'était un petit camp. Vous aviez le camp mère, qui était le grand camp de Mauthausen, et qui avait, je ne sais plus combien, 80 ou 100 commandos répartis sur le territoire autrichien, allemand. Et c'était des petits camps qui faisaient 8 à 10 000 hommes, à peu près. Et nous étions, je suis resté à Melk. À Melk, on construisait une usine souterraine. C'était la grande vogue, presque tous les camps de concentration construisaient des usines souterraines. Mmh. Et Melk, c'est ce que l'on faisait. Quand en vue de fabriquer quoi ? L'usine que nous fabriquions, avant que nous partions, que nous quittions, parce que nous sommes partis devant l'avance russe, elle fabriquait des roulements à billes. Et alors j'ai été replié à Ebensee. Et à Ebensee, c'était encore une usine qui était en construction, mais elle n'était pas encore les machines n'étaient pas encore installées. Les tunnels, il y avait énormément de galeries de fête, il y avait plusieurs kilomètres de galeries de fête que l'on peut voir toujours, ils existent. À Mauthausen, on ne les trouve plus, ces galeries, parce que les tunnels sont à moitié bouchés. Mais les Russes avançant, ils nous ont fait partir sur Ebensee. Alors beaucoup, moi j'ai eu la chance de partir avec un véhicule, parce que j'étais affecté à un garage, un commando garage, qui était un commando civil. Et quand nous sommes partis, le garagiste a voulu emmener ses véhicules. Alors, il fallait des gens pour les conduire. Nous avions un postène à côté de nous, c'est-à-dire un soldat allemand qui nous gardait. Nous étions deux pour conduire. Et nous avions quatre véhicules à emmener comme ça. Nous sommes donc partis par la route. Ce n'était pas toujours très rassurant parce qu'on nous collait dans les convois militaires. Et de temps en temps, les Russes venaient faire des passages. Et le 6 mai 1945, nous avons été libérés par les Américains. Mais après une tentative d'extermination générale du camp, du commando, de Ebensee. Alors beaucoup de camps, c'était beaucoup de petits camps, de ces commandos, Wienerndorf, Wienerndstadt, etc., qui, Melk, s'étaient repliés sur le camp d'Ebensee, si bien que ce camp qui était prévu pour une dizaine de mille personnes en comptait presque 20 000. Et vous dites qu'il y a eu une tentative d'extermination, est-ce que vous pouvez préciser ? D'extermination. Le matin, on entendait bien la bataille qui se rapprochait. Nous n'allions plus travailler au tunnel parce que les SS commençaient à se sauver. Ils avaient remplacé les gardiens SS qui étaient dans les miradors par des Volksturm. Les Volksturm, ce sont des gens, c'était bien souvent des gens qui avaient fait la guerre de 14-18, auxquels on avait collé un capot avec un calot avec une tête de mort, et puis ils étaient dans le mirador, censés nous garder, mais les SS étaient partis. Alors un matin, le commandant du camp rentre dans le camp avec sa voiture, monte sur le capot de sa voiture et nous harangue. Il nous dit pour vous, la guerre est bientôt finie, mais pour nous, Allemands, ce n'est pas fini, nous lutterons jusqu'au bout. Il va donc y avoir des combats, et pour protéger vos vies, nous allons vous faire entrer dans les tunnels. Alors il se trouvait que la veille, ils avaient pris quelques Russes dans le camp. On ne travaillait plus depuis deux jours, au moins deux, trois jours. Ils avaient pris quelques Russes dans le camp pour aller faire une corvée au tunnel. Et ces Russes avaient repéré qu'ils avaient stocké des petites locomotives qui desservaient les tunnels. À chaque entrée de tunnel, il y avait des locomotives. Et dessus, il y avait des caisses qui étaient, on l'a vu par la suite, c'était des caisses d'explosifs, les caisses d'explosifs qui servaient au tunnel, qui étaient entassées dessus. Tout était relié par un fil et on a suivi le fil à quelques centaines de mètres de là. Il y avait un engin pour faire sauter. Alors, ils voulaient nous rentrer dans les tunnels.
les Russes, en rentrant, ça les a inquiétés, quand ils ont vu ça, en rentrant le soir au camp, nous ont prévenus en disant, voilà ce qu'on a vu. Alors vous pensez que le lendemain, quand ils ont parlé de nous faire entrer dans les tunnels, il n'était plus question, on a refusé. On a dit, c'est maintenant, le mot de passe a vite passé dans les nations, entre nations, ça a été vite fait. Hein. Et quand le lendemain, on a dit, c'est pas difficile, on va courir sur les mitrailleuses, s'il en reste la moitié, il en restera la moitié, et il y en aura quand même une autre moitié de vivante. Alors le SS n'a pas insisté. Il est remonté dans sa voiture, il est parti. Et le lendemain est arrivé les chars américains qui nous ont libérés. C'était la venue du commandant SS, c'était le 5 mai, nous avons été libérés le 6 mai. Comment avez-vous été rapatrié en France ? Alors, il se trouve que la voiture que nous avions ramenée de Melk était encore au camp. Et nous l'avions, un camarade qui était mécanicien avait eu l'ordre de la réparer parce qu'il y avait une petite fuite au joint de culasse. Mais bien sûr, on n'avait pas réparé la voiture, ça c'était resté comme ça. Mais alors là, en 2 heures de temps, la voiture a été réparée. Et on a pris de l'essence dans divers véhicules qui traînaient. Et on est à 8, nous étions. On est parti du camp avec la voiture. C'était une voiture d'état-major qui venait de l'armée hongroise, qui avait été requise par les Allemands, et qui était très confortable. Tout l'intérieur était en bois, bureau, et tout, c'était bien. Mais enfin, on logeait aisément à 8 dedans. Hein. C'était un petit cas, presque. Alors nous sommes partis avec notre voiture, et tout le long de la route, on a eu des pires ennuis parce que les Américains nous arrêtaient, ils ne voulaient pas que l'on rentre nous-mêmes. Ils disaient non, il y a des centres de rapatriement. Ils nous saisissaient la voiture, ils la mettaient dans un parking. Alors nous, ils ne s'occupaient plus de nous. Débrouillez-vous après. Alors là, on était bien embêtés. Alors, on avait pris l'habitude, après, le premier jour, c'est ce que nous avons fait. On a attendu que les Américains soient partis. On est allé au parking, on a poussé la voiture à 8, on pouvait pousser deux voitures quand même. On l'a poussée en silence, en dehors du parking, et puis on attendait la nuit pour faire ça. Et on repartait. Alors quand on a réussi cette première expérience, c'est ce qu'on a fait à chaque fois, et ça nous est arrivé presque tous les jours. Et la dernière fois, ça a été pire, c'est que nous sommes tombés dans le secteur français, du côté du lac Constance, à Friedrichshafen, et nous avons été arrêtés donc par les Français, ils nous ont mis la voiture dans le parking, et puis aussitôt, ils nous ont mis des bottes de paille dans une école, ils ont dit, bah, vous allez loger là, puis vous allez attendre qu'on vous rapatrie. Alors, dans la soirée, il y a des soldats français, des jeunes du contingent, qui sont venus nous voir, et des coïncidences, il y a toujours des coïncidences marrantes. Il se trouvait que ce jeune était du même pays que l'un de nos déportés. C'était un de ceux qui était avec nous, qui lui connaissait très bien le père de ce garçon-là, parce qu'il y avait quand même la différence d'âge qui jouait. Il connaissait très bien le père de ce garçon-là. Et il nous dit, je suis de garde 2 un matin à la sortie sur Kiel. Il nous dit, si vous passez demain matin avant 6 heures, moi, je vous ouvre la barrière et vous pouvez passer. Alors il a tenu parole. Dans la nuit, ce qu'il fallait, c'était ressortir la voiture. Alors là, on a bavé parce qu'il a fallu pousser la voiture pendant 1 km. On a réussi à sortir la voiture qui était en bas d'une côte, monter la côte en silence. Et le lendemain matin, nous étions avant 6 heures, à la barrière, et il a ouvert. Et on est arrivé au pont de Kiel, où là, nous sommes tombés sur des gendarmes français qui nous ont dit où vous allez. Et ben, on va en France. Ah, ben, si vous voulez, mais on dit oui, mais on veut rentrer avec la voiture. On voulait rentrer avec la voiture. Et il n'a pas été question de la voiture. Ils nous ont collés dans un camp américain qui nous a d'abord passé à désinsectisation, à la douche, et puis nous donner des vêtements neufs, et puis rentrer sur Strasbourg le soir.
Et le lendemain, ou 3 jours après, nous sommes restés 3 jours d'observation quand même à Strasbourg, dans une infirmerie qui avait été montée dans les halls de la foire exposition de Strasbourg. Ils nous ont emmenés sur Paris, l'hôtel du Tessia, et là, l'hôtel du Tessia, on nous a identifiés, interrogés, la police nous a interviewés pas mal. Et puis, on a reçu des visas de transport. J'ai pu rejoindre ma famille qui était à Cabourg. Et ma mère, entre-temps, avait été évacuée. Elle appartenait aussi à Zéro France, ma mère. Oui. Mais elle est décédée aussi. Mmh. Elle a sa carte de CVR, décoration belge. Et elle a été arrêtée aussi ? Non. Elle a eu une chance d'avoir ses deux fils d'arrêter, et pas elle. Mais je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas dû avoir la liste de tous les noms de Le Peu. Il y a dû y avoir des noms qui étaient sur une autre liste et qu'ils n'ont peut-être pas trouvé. Enfin... Bien, bah écoutez... Ils ont dû se débrouiller, les gars, pour me faire venir la carte. Certainement. Ils ont dû se débrouiller. Ils ont tout fait, quoi. Certainement. Moi, je crois que c'est comme ça que ça s'explique. Mmh. Ça, c'est marrant, évidemment. Il y avait eu autre chose, là, que je ne me rappelle plus aussi, qui est assez bizarre. Notre ami René. Alors notre ami que je vous parlais tout à l'heure qui a été arrêté a été déporté à Ravensbrück, elle aussi. Mon camarade, le camarade qui était avec elle. Elle est revenue. Ah oui, 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 oui. Et elle vit en Angleterre parce qu'elle s'était. Elle s'est mariée avec un Anglais au retour de. Et elle est partie depuis, elle vit en Angleterre. Mmh. Mais elle vient très souvent nous voir. Mmh. Ah oui. Nous sommes restés des bons camarades. Hein. Mmh. On était des camarades d'enfance, du home, on avait 6-7 ans, quand on allait à l'école primaire ensemble. Alors ils ont été confrontés tous les deux, oui. À la Gestapo. Ah oui. Ah oui, oui. Vous avez été confrontés, oui, où ça à la Gestapo, quand ils ont vu que nous avions les cartes d'identité émises par le même maire. À Périgueux, oui. La Gestapo à Périgueux était installée au-dessus du Crédit Lyonnais. Et quand ils ont vu, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'aller la chercher. Et puis, évidemment, il n'était pas question de se faire des clins d'œil, ni quoi que ce soit, et de complices. Et ils nous tenaient en respect avec un air de bœuf. Et alors là, elle a joué un jeu extraordinaire, d'ailleurs, je trouve, parce que quand elle s'est trouvée en présence de moi, elle lui a demandé tout de suite, tu connais ce type-là ? Alors elle a dit, oh, oui, de vue, elle n'a pas dit qu'elle ne connaisse pas, elle a dit, oui, de vue, en effet, je connais. Et ben, il lui a dit, tu dois le connaître, il est du même pays que toi. Ah, elle a dit, oui, oh, c'est possible, mais comme il n'a pas le même âge que moi, elle avait marqué 17 ans sur sa carte d'identité. Moi, à l'époque, j'en avais 22. C'était pas méchant comme différence d'âge, mais enfin, elle a joué là-dessus et... Et alors, évidemment, parce que moi, avant, il m'avait demandé si je la connaissais, et j'avais dit que je ne la connaissais pas. Mmh. Mais il était recherché. Vous avez dit qu'il était recherché. Alors, c'est, oui, parce, il était recherché. Parce que vous savez que l'on faisait des rapports. On avait des rapports d'activité qui étaient signés de notre numéro de matricule, parce que quand on rentrait dans la formation, on avait un numéro de matricule et un nom de guerre, que je vous l'ai dit tout à l'heure, était Léo. Mmh. Et alors, ils avaient donc arrêté le camarade la veille, qui, je vous disais tout à l'heure, avec ma copine, qui était venue chercher le courrier à la boîte aux lettres, et il avait mis tout ça dans sa serviette. Alors, quand il était arrêté, il était pris avec tous les rapports des divers maquis de la Dordogne, qui étaient centralisés par notre copine. Et quand
Et lui, il a réussi à s'en sortir en disant, moi, on m'a donné une serviette à porter, je sais même pas de quoi il en retourne, rien du tout, moi je suis pas de la résistance, etc. Enfin bref, il a réussi à s'en sortir comme ça. Ça a été formidable puisqu'ils ne l'ont même pas convoqué devant moi, rien du tout. On ne nous a pas confrontés. Et oui, il y a des choses bizarres pour ça, c'est extraordinaire. Alors, sur le bureau, quand je suis arrivé à l'interrogatoire, je vois une pile de rapports comme ça. Et qu'est-ce que je vois dessus? Je reconnais mon écriture et ma signature. Alors là, j'ai dit, ça va, si jamais ils veulent me confronter mon écriture, maintenant je sais ce qu'il faut que je fasse. C'est, pourquoi? C'est une inadvertance de leur part, hein, certainement. Et alors, évidemment, ils m'ont dit, mais tu connais Léo? Hein, puisque c'est le prénom qu'il avait sous les yeux. Alors, je dis, bon, non, moi, je vous ai déjà dit que j'étais pas un maquis. J'ai prétendu, dur comme fer, j'étais pas un maquis, il n'y avait vraiment pas d'autres preuves. Et alors, où j'ai eu peur, le plus, c'est que dans mon portefeuille, j'avais une photo de ma femme, de ma fiancée à l'époque. Oui. Et derrière, pour ne pas oublier mon prénom et mon numéro matricule, j'avais marqué derrière la photo. Ah, vous aviez écrit Léo, numéro... Léo, numéro... Voilà. Ça, c'était encore une bêtise. On ne s'imagine pas. Hein. Et quand il a pris mon portefeuille, bien sûr, il me l'avait pris quand ils m'ont arrêté, il l'a ouvert devant moi, et puis il a sorti des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il trouve la photo. Il dit, ça, qu'est-ce que c'est? C'est ma fiancée. Alors, pouf, de rage, il déchire en miettes sa photo. Il n'a pas vu le ouf que j'ai fait. Parce que quand j'ai vu la photo sortir, j'ai dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? La relation des deux numéros, il aurait fallu être idiot pour ne pas l'avoir. Ben, j'ai eu cette chance. C'est ce qui prouve que ça tenait un peu. Beaucoup de choses tenaient un peu. Oui, moi, je peux dire que cette partie de guerre, j'ai eu vraiment la baraque. J'ai échappé au plateau d'exécution à Limoges, d'un cheveu. Et puis encore, interrogatoire. Oui. Je crois que c'était essentiel, ça, je crois. Il fallait avoir une part de chance. Il fallait avoir une part de chance. Et votre retour en tant que déporté, comment est-ce que vous l'avez... vécu, parce que beaucoup de déportés disent que quand ils sont venus à Paris, de toutes les tracasseries administratives qu'on leur a fait subir à l'hôtel du Tessia. Non, moi j'ai très bien supporté ça. Non, je n'avais rien à craindre. Il y a des gens qui étaient ennuyés. Moi j'ai vu des gars qui se sont fait arrêter à l'hôtel du Tessia. Vous savez, des gens qui étaient partis, par exemple, dans la LVF, ou qui étaient engagés comme travailleurs libres, il y en a eu aussi, il n'y a pas eu des STO, vous avez des travailleurs qui sont allés travailler librement en Allemagne, qui, pour revenir en France, ne trouvaient rien de mieux que de s'infiltrer avec les trains de déportés. Ils rentraient comme ça. Parce que moi, je suis revenu avec un train de déportés depuis Strasbourg. À Strasbourg, ils centralisaient pas mal de déportés. Puis à Beaujeu, ils ont fait un train. Ils nous gardaient quelques jours en observation. On peut sans doute constater qu'on ne rapporte pas de maladies virulentes. Et on est arrivé à Lutetia. Ils interrogeaient les gens, bien sûr. On ne pouvait pas prouver son nom, même pas. On ne pouvait pas donner la preuve de son nom. On n'avait plus rien. Mais à l'hôtel du Tessia, on vous a fait raconter toute votre histoire? Ah, pas du tout. Non? Non, d'où on venait, etc. Et, bon, ben, au maquis, à tel endroit, en Dordogne, etc. Et alors, est-ce qu'il le contrôlait ou il ne le contrôlait pas? Ou il le contrôlait peut-être par la suite? Nos adresses, il fallait qu'on donne nos adresses en France. Mais on n'avait aucune preuve d'autre, même de nom. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont changé de nom à cette époque-là. Vous savez, il suffit qu'un gars ait appris le décès d'un camarade ou autre et puis ait pris son nom. Parce que je crois qu'il ne contrôlait qu'après. Je crois. Parce que moi, j'ai passé l'après-midi, c'est tout, à Lutetia. On est arrivé en fin de matinée, puis on est reparti en fin d'après-midi. Alors, quand vous êtes revenu donc chez vous, dans le Calvados, là,
Alors, là aussi. Qui avez-vous trouvé? Est-ce que votre frère, lui, il est. Non, il n'était pas rentré. Mais je suis arrivé donc à Corse. Je suis d'abord descendu chez un oncle parce que je n'avais pas de nouvelles de ma famille, de ma mère, je ne savais pas où il était. Je me suis donc fait délivrer un billet pour. Avec un. Comment on appelle ça? Pas un stopover, mais enfin. Un arrêt à Mantes chez mon oncle. J'avais un oncle. Et qui m'a dit où était ma mère. Alors le lendemain, j'ai repris le train pour venir à Caen. Et à Caen, j'ai débarqué chez. Au COSOR. Le COSOR qui, à ce moment-là, était dirigé par le colonel Corbasson. Et c'est là que j'ai été reçu par Jaline Boitel, vous avez sans doute entendu parler, qui était une grande résistante de Caen, qui était au COSOR, qui m'a reçu, et Léonard Gilles, qui aussi est un grand résistant du coin, et qui m'ont fait déjeuner avec eux le midi. J'ai été le seul déporté arrivé ce jour-là au train à la gare de Caen, parce qu'ils avaient toujours une voiture qui attendait les gens qui rentraient. Et ils se sont débrouillés à trouver un militaire qui habitait Cabourg et qui revenait chez lui le soir à Cabourg. Et il habitait dans la maison où vous apercevez le pignon. Là. C'était coïncidence. Hein. Je n'étais pas propriétaire d'ici du tout à ce moment-là. Et il m'a amené. Ma mère avait été réfugiée parce qu'elle avait été évacuée du home aussi. Ils avaient crapahuté, ils étaient allés dans l'heure, ils avaient, enfin, bref, avec le mal à quatre nœuds. Et elle avait été. La maison que nous avions, que je vous ai dit, qui avait été évacuée, était inhabitable parce qu'elle avait été sinistrée d'une part, et puis que tout le périple autour était miné. On ne pouvait pas y accéder. Elle était donc dans une villa réquisitionnée ici, rue Berthold-Villa, la rue que vous avez pris pour venir, certainement. Donc quand je suis arrivé chez moi, oh là là, ma mère a été émue au possible de m'apercevoir dans le bas. Ça a été extraordinaire comme retrouvaille. Et quelques jours après, c'est là que j'ai appris que mon frère était déporté. Et il est rentré environ 15 jours après moi, parce que lui, il a dû suivre le. Il avait été libéré par les Russes. Il était dans quel camp, votre frère? Il a terminé à Falkensee, avec Boulot, avec Bernard Boulot. Ah oui. Et quand il a fallu un échange, ils ont fait un échange sur l'Elbe, les Américains et les Russes, ils se passaient autant de prisonniers d'un côté que de l'autre. Et alors. Il est arrivé 15 jours ici après moi, mais il avait été libéré par les Russes presque un mois avant moi. Mais il restait en arrière des lignes russes. Et alors, évidemment, quand il est arrivé à deux, déportés ensemble, deux frères, peut-être que ça nous a aidé davantage à supporter la réadaptation. Et puis je me suis mis à travailler. J'étais malade quand même, très très malade. J'ai fait une furonculose carabinée et puis une sorte de fièvre afteuse. Enfin, quand j'ai été soigné, guéri, je me suis mis à travailler aussitôt. Alors ça a bien passé. La réadaptation, ça s'est bien passé pour moi. Bien. Voyez-vous autre chose? Non, je crois que j'ai tout dit. Ouais. Tu feuillettes un petit peu. Tu aurais dû mettre l'enregistrement. Je l'avais noté sur un truc. À quelle occasion? Il était venu, vous savez, comme fait Mitterrand quand il va dans les villes les unes après les autres. Et à ce moment-là, Pétain était venu à Grenoble en janvier 1941. Et alors, comme nous étions un chantier de jeunesse qu'il connaissait bien, puisqu'il avait dit qu'on reprendrait les armes, il a voulu nous mettre à l'honneur pour être sa garde d'honneur dans la préfecture de Grenoble. Alors nous étions avec nos tenues de skieurs, d'ailleurs, à
préfecture de Grenoble. Et il s'est montré très sympathique, il parlait avec les uns et les autres. Mais à ce moment-là, on ne savait pas, on doutait encore, on ne savait pas quelles étaient ses intentions. Nous étions déjà fait notre opinion que... Enfin, pourtant, il y avait eu Montoire. Il y avait eu Montoire, ça c'est certain. Ça nous avait un petit peu refroidi d'une part. Et puis, il y avait eu aussi l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin du général de Gaulle en 1940, ça nous avait ébranlé très sérieusement. Vous l'avez entendu ? Non. Non, mais on l'a entendu par la suite à la radio, on l'a entendu. Et ça je me souviens qu'entre jeunes, nous avions de fortes discussions. Nous, évidemment, pour nous, Pétain représentait encore la légalité à cette époque-là. Alors, il y avait des gens qui criaient au général Fellon, parce qu'il y avait eu Mersenne Kébir entre-temps. Les Anglais avaient fait du mal à l'entente franco-anglaise. Hein. Et quand on voyait qu'il y avait des gens qui regagnaient l'Angleterre pour se mettre à leur côté, alors qu'ils venaient de massacrer des gens, Mersenne Kébir, quand on n'est pas bercé à toutes ces activités politiques, nous on voyait qu'au bout de notre nez. Hein. Mais enfin, là en 1941, nous n'étions plus du tout pétainistes. Hein. On avait beau eu avoir la visite de son émissaire du cabinet militaire, mais ça ne nous influençait plus du tout. On avait pris notre mesure. D'ailleurs, la plupart de camarades qui ont fait comme moi ont regagné des maquis, ont fait de la résistance. Et parce que le mouvement, ce mouvement de jeunesse et montagne, c'est encore une chose, existe toujours. Parce qu'il est passé entièrement à la résistance, tout le mouvement, avec les officiers et autres, sont tous passés à la résistance. Environ un an et demi, deux ans après moi, bien. Ah oui, même pas en 44, ils sont passés. Ça fait presque 3 ans après moi. Et alors, ils fonctionnent toujours, alors en organisme privé, et il y a toujours les anciens qui ont, comme moi, été à la création. Il y a un journal que l'on reçoit. Je reçois le journal régulièrement, oui. Mm-hmm. De vous-même, de votre frère, de votre mère qui... Ah bah j'ai... Je peux me lever ? Notification de grade, évidemment. Oh pardon. Je t'ai donné de ta mère. Oui, c'est ce que je cherche. C'est pas vrai, Paul. J'ai mis en main de ces trucs-là. Alors, tu vois hein, que je l'ai bien conservé, moi. Puis il y a maintenant que je suis sûr que tu l'as. Oh, mais... Non, je sais bien. Quand j'ai relevé le truc, j'ai déjà... Je vais vous le Dieu, j'ai des longues spots. Oui, mais il n'est pas très net. Est-ce que vous en auriez une bonne copie que Je peux vous en faire une copie. Enfin, j'ai pas de machine à photocopier. Non, mais si vous me la prêtez, moi je la fais, je vous rends le... D'accord. Parce que j'en ai une copie et d'une copie... Alors, c'est pas très bon. Vous avez tout filmé ? J'ai filmé ça.
Ah oui, que le... Je fais ça, ça. Et puis après, je fais ça. Jacques Delarue avait été un moment persuadé que c'était les gens de Rouen qui avaient raison. Ah, il, bon. Il l'avait craint, oui. Et puis alors après, quand on a eu d'autres... Et puis, par ailleurs, je sais que des objets personnels ayant appartenu à des résistants qui ont été donc tués le 6 juin 1944 ont été récupérés. Ainsi, Madame Odiger, vous savez, oui. Vous avez lu son livre, elle a rédigé des documents ayant appartenant à son mari. On a retrouvé la carte d'identité de l'abbé Bousseau, curé d'Ouïl Tesson. Hein, j'ai eu la copie entre les mains. J'ai eu l'original entre les mains. Ouais. Le comte de Saint-Paul aussi, on a retrouvé son alliance, je crois. Oui, oui, oui. Enfin, donc, tout un tas d'objets personnels qui ont été quand même récupérés, qui se trouvaient au greffe, je crois. Ouais. Bon. Il y avait une mâchoire de récupérer qui appartenait à un dentier, pas une mâchoire, un dentier, ouais. Qui appartenait à, je ne sais plus quelle personnalité, quand j'ai vu ça. Qui avait été retrouvé, soi-disant, à... Donc à ça, Rouen. Ça, je vais vous l'emprunter, ça. Soi-disant à Rouen. Mmh. Il a perdu son dentier à Rouen. Ah oui. Peut-être qu'il était en... Il était à pied. Ah oui. Il était à pied. De... Oui. Oui, oui, oui. Ah oui, attends, attendez, parce que ça, j'ai pas trop faire cette café. Parce que les camarades, attends, que ça, je vous ai donné les noms, comme, oui. Comme Marcel Aumont, comme oui. Delanoé, n'ont pas eu de rôle très important dans le réseau. Oui, oui, mais enfin... Mais enfin, on peut les planquer. Ah oui, oui, ça c'est... Le loger. Alors c'est madame... Marion, son prénom R-I-O-N, comme moi. Hein. Oui, d'accord, mais son prénom, c'est René. René. René Marion. Donc, je mère de... C'est bien qu'elle a pris des risques en ce moment. Francis. C'était votre aîné, Francis, ou... Oui, 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 13 ans plus vieux que moi. Et elle était à l'époque des événements épicière, c'est ça oui, elle avait une épicerie et elle tenait un petit hôtel-restaurant. Ça n'a pas d'importance. Si, si, si. Si ouais, j'ai une brochette. Ça, c'est ma bête, oui. Pas de raison qu'on vous filme pas avec vos décorations. Madame Héron est allée chercher ses décorations. Ah bon? D'abord, on a toutes les grosses médailles. Mais... Oui, voilà les. Alors, ça c'est. Attendez, je vais vous dire quand vous allez pouvoir. Oui. Qui va le dire. Voilà, oui, quand c'est bon, parti. Vous pouvez les présenter à monsieur Marie. Ça, c'est là, il y a ma mère. Alors, ce sont les médailles obtenues par votre mère. Oui. Elles ont été décernées par qui? Belges et Français. Ça, c'est une médaille commémorative. La à droite, c'est une médaille belge. À gauche, enfin... Oui, enfin, à sur la droite. Oui. À droite. Et vous connaissez le nom de la décoration? Résister, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ça doit être résistance. Médaille de la résistance, c'est du tout. Vous savez ce qu'il y a eu, c'est que... Oh.
sens. Merci. Non, mais j'avais une photo que j'ai retrouvée par terre. Oui. Donc, ici, c'est engagé volontaire, durée de la guerre, commémoratif 39-45, déporté, résistant, ancien combattant volontaire de la résistance, croix de guerre, légion d'honneur, officier légion d'honneur. Soumettre dans ce grand train. Ah oui. C'est l'anniversaire d'une de tes filles. Entretien sur la résistance.